Salut à tous. Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo tonte, mais pas chez moi. Merde, je vais fermer la porte. Pas chez moi. Chez mes grands-parents. Où je vais vous montrer ce qu'il y a à faire. Donc, forcément, ce sera pas la Wolf qui sera utilisée. Pas enfin, si une Wolf, mais. Mais pas une avec un. Bon, alors. Avec un moteur thermique. Celle-ci, c'est une électrique, mais plus récente. Mes grands-parents étant en vacances, je m'occupe de leur jardin. Donc c'est une NTE. Pas de conneries, ouais, 2007. Bon. Elle est propre pour son âge. Elle est très propre. Donc voilà. Donc voilà la machine. Alors par contre, elle est tractée. Donc là, l'engagement de comment s'appelle l'interrupteur pour allumer le moteur. Là, la traction en plus. Ah, la traction, la mienne n'a pas la traction. Bon, après la mienne elle a 40 ans, celle-ci elle est de 2007 quoi. Donc bon. Donc là, ce matin, je suis passé vers 10h. Derrière les barrières, ce que vous pouvez voir, c'est une espèce de petite plate-bande qui fait de là à la poubelle. On va dire du rebord là à la poubelle. Et qui était montée à peu près à quasiment la hauteur de la poubelle. Donc là-bas, j'ai passé un coup de débrouille ça, ce matin. Je vous ai pas filmé ça parce que j'ai fait ça dans la précipitation. J'en ai un rendez-vous. Après, il fallait que j'aille manger chez moi, que je revienne et tout. Je recharge ma trottinette électrique pour pouvoir revenir après. Donc un vieux peu de bordel. Et puis j'ai fait là au passage, vous voyez. Donc j'ai passé la débroussailleuse. Bon, là, il en reste un petit peu de 3. Donc là, au pire, je repasserai un coup tout à l'heure. Donc là, moi, ce que je vais vous filmer dans la vidéo, c'est que la vidéo, elle va faire plusieurs parties. Donc ça va être publié en plusieurs parties. Donc vous allez avoir une partie où je fais les bordures. On aura une deuxième partie où je vous montre la tonte, mais on fera ici la tonte. Et bah, puis ce sera tout. Donc à mon avis, ça fera deux ou trois parties. Donc là, vous serez mis là dans le coin à l'ombre. Ou sur une poubelle, un support, je sais pas, je verrai. Donc voilà, donc là, il y a tout ça à tondre là. Donc ça paraît pas, mais attendez, je vais vous montrer, il y a une montée là-bas. Je vais déposer les clés. Après, voilà. Il y a encore un terrain en haut. Donc c'est pas comme chez moi, où bah, en même pas une heure t'as fini de tomber. Là il y en a un petit peu plus que ça. Donc on a là. Ça sera bien poussé en 2 semaines. Parce qu'il faisait pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. Alors forcément. Puis voilà. Donc on va commencer par les bordures. Donc. Là c'est la phase d'intro, je vous fais la vidéo phase d'intro. Et puis après je vais. Donc là c'est la première partie. La première partie. On l'entend, il y a une traction, il y a des cliquets. Donc là c'est la première partie, c'est l'intro. Donc la vidéo va pas durer longtemps. Vous aurez une partie 1, enfin partie 2, où ça va être les bordures. Mais je vais vous montrer essentiellement qu'ici, parce que bon, voilà. Et partie 3, c'est la tonte. Mais la tonte, je vous montrerai pas tout, parce que ça prend un certain temps. C'est ce qui va être plus long, c'est surtout, ça va être tonde. Donc là, pour la tonte, il y en a au moins pour 2-3 heures. Facile. En prenant mon temps, en y allant tranquillement, en faisant les choses bien. Donc ça sert à rien que je vous filme pendant 3 heures, moi, en train de pousser une tondeuse, parce que vous allez relativement vous faire chier. Donc... elle, je vais la laisser là. Par contre, il faut que je sorte la rallonge. Mais avant ça, on va sortir la FS90 et on va la faire chauffer. Parce qu'elle a tourné tout à l'heure, bah, elle a eu le temps de refroidir. Parce que sous-sol, il fait bien frais. Ça, c'est agréable parce que dehors, il fait chaud. Alors ici, il fait une fraîcheur. Bon, bon. La FS90, elle est là. Pareil, donc, par contre, il va falloir que j'ouvre le garage pour pouvoir passer le fil. Par ici pour faire de l'autre côté parce que je vais pas m'amuser. Voilà, donc le fil bah il est là. Alors, juste pour ça, je déteste les tondeuses électriques juste parce qu'il y a un fil électrique. J'ai une sainte horreur de ça, vous n'imaginez même pas. Le nombre de fois où j'ai foutu le fil dans la tondeuse, je peux vous jurer que j'aime pas ça. Donc, la FS90, on va s'en sortir. Le plein, il y est. J'ai fait le plein hier. Donc là, c'est bien parce qu'aujourd'hui elle tourne. Donc ça me va. Là, il y a encore un peu de fil dessus, quitte à ce que j'en remette. En réalité, de la cogner sur la bagnole, ça peut servir. Surtout encore pire sur une bagnole toute neuve.
Donc là, je vais pousser tout ça, mais je vais le remettre. Donc voilà. Donc moi, je vais commencer. Donc je vais lancer la partie 2. Et je vous dis à tout de suite. Mais hors caméra, je vais remettre tout ça. Allez, à tout de suite.